Il existe en France plusieurs espèces de tortues aquatiques et terrestres. Elles sont toutes menacées par la destruction des milieux, les activités humaines, les incendies, les autres espèces invasives et les ramassages. Bernard Deveau nous explique. En 1988, on a créé avec un Anglais, David Stubbs, une association, la SOPTOM, Station d'observation et de protection des tortues et de leurs milieux. Et on a eu l'idée de créer un village des tortues. Le but était surtout de se pencher sur la tortue d'Hermann française. C'est un animal, un petit animal de 20 cm qui vit surtout au sud de l'Europe, donc en Provence et puis également en Espagne et en Italie, et qui est en voie de disparition. Donc ça, c'était le but initial de la SOPTOM. Et puis progressivement, on s'est intéressé aux autres tortues européennes, qui sont des tortues d'eau d'ailleurs, hein, qui vivent jusqu'au sud, depuis le sud de l'Allemagne jusqu'au sud de l'Espagne. Et puis progressivement, je me suis penché sur des tortues des pays francophones, donc le Sénégal d'abord, la Madagascar ensuite. Je pense qu'on va faire quelque chose également au Maroc. Et donc petit à petit, on s'occupe de toutes sortes d'espèces européennes, mais exotiques également. Et au village des tortues, de ce fait, nous avons environ 1200 tortues actuellement, représentant une trentaine d'espèces différentes. Et tout cela dans le but de les protéger. Le grand problème des tortues à notre époque, il est d'abord la destruction des milieux, c'est-à-dire que l'homme, un peu partout, finit par urbaniser ou détruire les zones naturelles. Ça se voit en Provence, par exemple, où il y a trop de constructions, mais ça se voit également à Madagascar, où malheureusement, les tortues sont ramassées pour être vendues, ou bien il y a des incendies où on détruit les milieux. Donc, d'abord, protéger les milieux, ça c'est le grand souci, et évidemment ça passe par nos rapports avec les gouvernements en général, parce qu'il faut qu'un gouvernement crée des réserves par exemple, hein, ce qu'il a fait récemment dans la Plaine des Morts, on a créé une réserve de 5700 hectares avec le ministère, donc tout ça est bien. Mais le deuxième problème pour sauver les espèces, et c'est là où c'est original, c'est vraiment un travail de notre association. Pensons que les espèces, les tortues, qui sont des chéloniens, ce qu'on appelle chéloniens, ça vient de chélone qui veut dire carapace en grec, eh bien les chéloniens sont considérés par les Européens souvent comme des animaux de compagnie, ou des animaux de jardin, ou des jouets pour les enfants. Donc ce que nous avons voulu modifier dès le début, c'est leur image dans l'esprit des gens. Et donc expliquer que les tortues sont des animaux sauvages, et vraiment pas des animaux domestiques. Et c'est le boulot que nous faisons ici, mais également que je continue à faire avec des livres, avec des cassettes DVD, des choses comme ça, des conférences, des animations dans les écoles. Donc j'essaie surtout, quand il y a une école qui vient ici, des jeunes gens par exemple, je leur ai dit, la tortue, attention, c'est pas fait pour mettre dans votre jardin ou dans un terrarium. Il faut la conserver dans le milieu naturel. Si vous voyez une tortue ici en Provence, vous l'observez, vous la photographiez, mais vous la laissez absolument dans son milieu naturel. Ça, c'est sans doute l'action prioritaire pour sauver une espèce. Mais c'est valable pour toutes les espèces de la planète, d'ailleurs. Je pense qu'elles ont souvent une mauvaise image dans l'esprit du public. Donc il faut modifier cette image. Là aussi, le problème des tortues dans la région, c'est
qu'elles sont souvent blessées, écrasées par exemple par des voitures, ou blessées par des chiens ou des tondeuses à gazon. Donc dès le début, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin pour réparer les animaux. Et on a créé, les premiers en Europe, en 1989, la première clinique des tortues spécialisée dans ces animaux. Alors dans notre groupe associatif, nous avons 3 vétérinaires spécialisés, mais nous-mêmes, nous sommes devenus des soigneurs, disons, très, très, très expérimentés. Par exemple, c'est chez nous qu'a été mis au point la première chirurgie plastique des tortues à base de polyester. Alors, quand une tortue arrive scalpée, eh bien, on lui reconstitue sa carapace. Ça, c'est spectaculaire et en même temps, c'est très efficace parce que les tortues tolèrent tout à fait bien la résine et au bout de quelques années, la prothèse tombe et la carapace s'est reconstituée dessous. Donc c'est spectaculaire et efficace. Et on répare aussi des tortues après les incendies, par exemple. On nous apporte des tortues brûlées. Ça, c'est assez atroce, hein, évidemment. On reconstitue la carapace, mais il y en a certaines qui meurent quand même. Mais on fait un boulot important comme cela. On traite 300 tortues actuellement par année, non seulement des tortues d'Hermann, mais des tortues d'eau, et puis aussi quelques tortues exotiques. Et on est devenu donc un peu des spécialistes. On a créé un autre hôpital pour tortues à Madagascar et un autre au Costa Rica, près de la capitale, voilà, toujours pour soigner les tortues. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tortues en captivité, hein, en France, mais dans toute l'Europe. Nous, on pense qu'il y a 1 million de tortues en captivité en France. Bon, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, ils les ont en captivité. Le principal, c'est qu'ils s'en occupent bien. Hein. Alors évidemment, dans la région, parfois, ils nous les rapportent ici, donc on peut les accepter de façon à ce qu'elles reviennent dans les programmes de conservation. Mais quand ce sont des vieux animaux, ou bien que les gens vivent dans le nord de la France, bon, bah, il n'y a pas de raison qu'ils nous les rapportent ici. Alors, il y a des conseils à donner. Le premier, je pense, c'est qu'il faut bien connaître l'animal de façon à se référer à sa vie naturelle. Vous achetez des bouquins et vous lisez un petit peu comment cet animal, cette tortue, vit dans la nature et ce qu'elle mange. Et ensuite, vous faites attention de respecter ça le plus possible. Les tortues ont besoin de soleil. C'est pour ça que déjà, les élever dans le nord de la France, ce n'est pas idéal, évidemment. Mais bon, à ce moment-là, il faut leur mettre des lampes UV, ultraviolettes, pour que les UV permettent de fixer le calcium. Ça, c'est très important. Et puis, il faut se rapprocher de leur alimentation naturelle. Moi, je connais des gens qui me disent « Ouais, mes tortues, elles sont heureuses en captivité, je leur donne des gâteaux, des choses comme ça. » Non, non. Les tortues sont des tortues terrestres, sont des herbivores, donc il faut les nourrir avec un mélange de légumes et de fruits, hein, de saison, mélangés toujours. Et les tortues d'eau sont des carnivores, donc il faut leur donner des restes de poissons, de viande, des choses comme ça. Mais à chaque fois, respectez le régime des animaux. Faites attention aussi, les tortues sont très gourmandes. Donc, si vous avez des chats ou des chiens et que vous avez un bol avec des granulés, les tortues vont aller les manger. Donc elles vont grossir, elles vont attraper les maladies des humains. On le voit, des cancers, des choses comme ça, c'est incroyable. Donc, faites attention, ne les faites pas trop manger. Les tortues ne sont pas des mammifères, donc, et elles doivent manger beaucoup moins qu'un chat ou un chien. Il ne faut pas les nourrir tous les jours. Dans la nature, elles ne mangent pas tous les jours. Il faut les nourrir seulement 1 ou 2 fois par semaine et respecter toujours leur régime naturel. Et puis, naturellement, il faut penser que les reptiles sont des animaux à sang froid, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elles hibernent l'hiver. Donc il faut se renseigner là-dessus et il faut mettre les tortues de terre en hibernation, etc.
Donc on nous demande souvent comment on peut aider à sauver les tortues. Moi je crois que le mieux c'est d'abord de venir en visite ici et de voir notre travail. Je crois que l'information c'est absolument essentiel, donc venez vous informer, au besoin vous avez les livres, vous avez la télévision, etc. Ensuite, il y a une opération originale, c'est le parrainage de tortues qui consiste à donner son nom à une tortue. Donc vous nous écrivez là encore ou vous nous contactez et vous pouvez recevoir un parchemin avec la photo d'un animal. Et puis aussi, si vous avez des problèmes avec vos animaux ou personnels, eh bien là encore vous nous contactez, vous pouvez nous rapporter vos tortues, on peut les soigner. C'est un processus évidemment auquel on est habitué et on vous aidera au maximum pour protéger vos animaux, mais surtout de protéger les tortues dans le milieu naturel. C'est ça qui importe. Ce que nous voulons, c'est que dans 50 ans, il y ait toujours des tortues d'Hermann ici en Provence, et que vos enfants et vos petits-enfants les connaissent toujours comme des animaux sauvages. Et c'est valable pour les tortues à l'étranger. Quand vous allez en voyage, vous pouvez en observer, il y en a partout dans le monde, mais surtout ne les ramassez pas. Il y a des gens qui vont au Maroc ou en Tunisie et qui mettent des tortues dans leurs poches. C'est une très mauvaise opération et en plus interdite par la loi. Donc surtout, ne ramenez pas des tortues de l'étranger. Et par contre, allez par exemple aux Galapagos ou aux Seychelles ou en Asie et vous verrez des tortues sauvages, ça sera merveilleux et ça vous apportera beaucoup d'informations également.